conseille d'aller voir ton médecin. Te pose pas de questions. Va voir ton médecin. Mais si je veux voir côté subtil, au niveau de ta structure, hémisphère droit, alors ça me renvoie une énergie intra-utérine. Des émotions, alors il y a des. Ah putain, c'est pas agréable. C'est un mal-être intra-utérin de ne pas pouvoir trouver tes appuis à l'extérieur. Ouais, ça m'envoie ça. Tu cherches des appuis à l'extérieur, tu cherches quelque chose auquel te rattacher pour pouvoir être stable. Tu aimerais vivre avec toi, mais tu ne te sens pas, tu as l'interdiction de vivre avec toi-même, comme si tu étais séparé d'une part de toi que tu cherchais depuis des années, qui était juste à côté de toi, mais que tu avais l'interdiction de tourner la tête à droite pour voir qu'elle est juste là. Et si je ramène ça dans ton au niveau de la matière, ça me parle que tu ne te fais pas confiance. Tu ne te fais pas assez confiance. Et je dirais même que tu te détestes. Je dirais même que tu ne te veux pas que du bien. Parce qu'il y a un élan d'autodestruction. Et sous cet élan d'autodestruction, il y a. Alors, ça m'envoie l'énergie, une énergie maternelle. Ça m'envoie. Ah ouais, d'accord. Les vicissitudes de la vie, toutes les choses que tu n'as pas pu avaler, qui te sont restées en travers de la gorge, qui n'ont pas été exprimées. Ça m'envoie ça pour toi. Donc je te pose la question, à qui tu n'as pas dit tes quatre vérités? À qui tu n'as pas dit ces quatre vérités? Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas de jouer franc jeu? Où est-ce que tu te caches? Derrière quel masque tu te caches? Pourquoi est-ce que tu restes sur une sorte de, entre guillemets, hein, piédestal qui, de toutes les manières, t'épuise? Et te rend malade. Pour le groupe, qu'est-ce que ça renvoie? Acceptons l'altérité. J'aime dire tout et son contraire. Tout à l'heure, je vous ai dit ce que ça me renvoyait comme information pour le groupe, c'est d'être aveugle et sourd à l'extérieur. Là, je vous dis le contraire. Regardez attentivement ce qui se passe à l'extérieur. Qu'est-ce que le miroir nommé matière vous renvoie? Et surtout, allez voir à l'intérieur, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vibre comme incertitude? Ça vibre incertitude en fait pour le groupe. On est incertain de l'extérieur parce qu'on est incertain de soi-même. On est incertain du futur parce qu'on n'est pas sûr de qui on est. Voilà ce que vibre le groupe ce soir.